Bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons attendre encore 2 minutes pour que les autres puissent se joindre à notre réunion. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. C'est notre session micro ouverte de l'IGF 2020. J'espère que vous êtes bien reposés après beaucoup de débats très intéressants que nous avons eus il y a 2 semaines. Juste un récapitulatif pour dire que cette réunion est enregistrée. Nous avons mis à votre disponibilité toutes les interprétations, toutes les versions linguistiques de l'ONU. Il y a aussi une transcription que vous pouvez suivre, un sous-titrage. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne l'agenda de notre événement d'aujourd'hui, je vais faire une introduction avec mon collègue et ensuite je vais faire un récapitulatif court du secrétariat sur les statistiques. Après, nous allons passer à notre session micro ouverte où vous pouvez apporter vos commentaires. C'est quelque chose à quoi nous attendons beaucoup pour que vous vous exprimiez, vous dites ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, ce qui doit se faire de façon différente l'année prochaine ou devrait être modifié. Nous sommes maintenant en train d'apporter des améliorations continues à tout ce processus. Donc, nous sommes vraiment intéressés à voir ce que vous pensez, ce qui doit être amélioré, ce qui doit changer, en considérant bien sûr les contraintes liées à nos ressources, aux ressources que nous tous possédons. Maintenant, je vais donner la parole à Henriette qui va présider la réunion. Maintenant, Henriette, merci. J'espère que vous me voyez bien et que
Mon fonds virtuel marche bien. J'aimerais bien vous souhaiter à tous la bienvenue, remercier de votre participation à l'IGF. Ça a été un vrai défi d'organiser cette réunion de façon virtuelle et ça a été une tâche intimidante parce que les sessions sur micro ont été vraiment un grand effort. Mais pour le MAC, ça n'a pas été vraiment un événement seulement en ligne, mais un événement qui a montré qu'on pourrait augmenter le potentiel pour plus d'inclusion numérique. Et il dépend beaucoup de nous si ça va être un succès ou non. Je voudrais vraiment remercier le MAC et le secrétariat d'avoir fait un effort phénoménal et l'ONU de son soutien et de tous ceux qui ont participé à l'organisation de nos sessions. Et si vous n'aviez pas fait cet effort, ça n'aurait pas été un succès. Donc, nous voulons écouter vos opinions, qu'elles soient critiques ou non. On voudrait obtenir un retour d'information de votre part. Merci. Merci, Henriette. Je souscris à tout ce qui a été dit par Henriette. Merci au MAG, aux participants. Et à tous ceux qui participent au système de l'ONU, à nos bénévoles et aux interprètes. Merci, merci beaucoup. Je pense que tout a très bien marché. Et ça a marché beaucoup mieux que nos attentes. Et je dois dire qu'il y a encore beaucoup à faire, bien sûr. Il y a des méthodes qui nous permettraient d'améliorer les choses, qui pourraient nous permettre d'avancer. Avant de commencer la session ouverte, je voudrais juste vous donner des statistiques brèves. Comme vous le savez, pour ce qui est de la participation à l'IGF, nous avons, en ce qui concerne les parties prenantes, 17% c'est le gouvernement, les ONG, 9% la société civile, 40% la communauté technique, 15% et le secteur privé a été représenté par 19% des participants. Je suis vraiment ravie en voyant ces statistiques parce que ça nous montre qu'il y a une grande augmentation en ce qui concerne la participation des représentants du gouvernement, des ONG, mais aussi du secteur privé. L'on peut comparer cela aux autres proportions de parties prenantes ayant participé aux IGF précédents. Je ne sais pas si ça a été différent parce que la réunion s'est faite en ligne. Il n'y a pas eu besoin de se déplacer, mais c'est une vraiment bonne chose. Donc, j'ai entendu beaucoup d'opinions positives et c'est bien de voir que ces voix se font entendre. La totalité des participants enregistrés s'est élevée à 6148 personnes, mais ce ne sont pas les résultats définitifs. Ce sont les résultats du week-end. Donc, vous pouvez voir comment ça se divise. 1669, le gouvernement, les ONG, 570, plus de 2000, la société civile et les communautés techniques, 933 et le secteur privé, 1132 personnes. Ce sont les gens qui sont inscrits de ce secteur privé. Donc, ce sont les participants enregistrés, mais il faut aussi savoir que l'on a pu participer à cette session à travers YouTube, UNTV et Facebook. Ce sont des canaux d'information à travers lesquels l'on a pu participer sans savoir enregistrer. Donc, maintenant, en ce qui concerne la distribution des participants selon les pays représentés. Eh bien, comme d'habitude, je crois que la plupart des participants provenaient
du Brésil, par exemple, des États-Unis, en général, l'Amérique est bien représentée. En Afrique, le pourcentage le plus élevé, c'était les gens du Nigeria. Et en Europe, c'était le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne. Donc, je pense que c'est pour la raison qui est vraiment évidente, c'est-à-dire que l'année prochaine, il y aura une réunion de l'IGF en Pologne. En ce qui concerne, vous voyez, plus c'est foncé sur la carte, plus il y avait de participants. Il y a eu beaucoup de travail à faire. Par exemple, nous n'avons pas de représentants de Tanzanie pour une certaine raison, donc il faudrait faire de la recherche là-dessus, d'Angola et je pense de Corée du Nord. Bon, ça se comprend de façon évidente pour ce qui est de la Corée du Nord. Djibouti, là, il n'y a pas eu de personne de Djibouti. Alors, ce que nous allons faire en tant que secrétariat, nous allons nous pencher sur ces chiffres, sur les chiffres qui ne sont pas suffisants, qui sont peu élevés, là où il n'y a pas eu de représentants du tout. Et pour l'année prochaine, nous allons justement se pencher là-dessus, analyser les choses et voir de quelle manière l'on pourrait améliorer justement le taux de participation. Le taux de participation provenant de ces zones-là. Voilà la liste de pays que je voudrais mentionner. Djibouti, le Guyana, le Laos, la Tanzanie pour une raison. Et ce sont des pays en développement. Nous n'en avons pas toute la liste, mais bon. Je pense que beaucoup de pays de ce groupe pourraient être mieux représentés. Il y a encore de l'effort à faire. Il y a de l'Internet dans ces pays-là tout de même. Une autre statistique brève. 295 événements au total, 20 000 webinaires et une soixantaine de réunions régulières en ligne. Nous avons eu plus de 20 000 connexions aux sessions en ligne. Et donc, nous considérons que, justement, cela représente des connexions individuelles. Par exemple, quand une personne s'est connectée à 3 sessions, ça a été compté comme 3 connexions. Ça nous a permis de bien calculer le taux de participation aux réunions. Nous avons eu plus de 1 million de minutes de présence sur l'Internet. Nous avons eu 250 emails de réseautage, de connexion. Ce sont des gens qui ont voulu contacter les autres lors des sessions que nous avons organisées. Donc, lorsqu'on était en ligne, les gens se sont servis de l'IGF pour nouer des contacts, pour contacter les autres. Donc, une autre raison pour que l'IGF contribue à une amélioration de contacts. Les événements les plus importants selon la participation, le taux de participation. Voici les chiffres que je présente maintenant. Ce sont les chiffres selon les statistiques de Zoom. Nous n'avons pas ajouté à ces statistiques-là YouTube ou les statistiques de la télé, de l'ONU ou de Facebook. Donc, l'événement le plus important, c'était la session d'ouverture. Ensemble avec la session sur l'environnement. On a eu cela en une session. Malheureusement, on n'a pas pu séparer ça. C'est la première place en ce qui concerne le taux de participation. Ensuite, la deuxième place, c'était aussi la session de haut niveau sur l'environnement et la session de clôture. La troisième, c'est l'IGF 2020, la session
principale sur les initiatives nationales et régionales. Bien sûr, il y a eu aussi une table ronde parlementaire, la session sur la confiance et aussi une session de réseautage sur le village IGF. Ça nous montre que les gens sont vraiment intéressés au village IGF. Ensuite, il y a eu le sommet des jeunes et la session sur les données et aussi la session en commémoration de Marlene Cade, qui malheureusement n'est plus des nôtres. En ce qui concerne les statistiques de la télé UNTV, vous pouvez voir bien ici un grand nombre de connexions. Premièrement, en ce qui concerne la session des leaders de haut niveau sur la sécurité, c'est la première place. La deuxième place est occupée par la session sur la confiance, plus de 1100 personnes. Et la troisième place, c'est la table ronde des parlementaires, aussi à peu près 1000 personnes regardant cette session. Des statistiques très intéressantes nous montrant la dynamique des sessions que nous avons organisées. Je pense que ce sont des chiffres très intéressants. C'est pour cela que j'ai voulu vous le montrer. Les coalitions dynamiques, elles aussi, ont occupé une place importante. Ce sont des types de sessions auxquelles les gens s'intéressent le plus. Maintenant, en partant de cela, je voudrais juste vous montrer les résultats de toutes ces sessions que nous avons eues. Tout ceci est listé sur notre site Internet. Vous voyez ici l'onglet qu'il faut consulter. Vous pouvez le voir en bas, notamment, où il y a un lien. Ce lien sera actif jusqu'à ce que l'on ne passe pas l'année 2021, c'est-à-dire jusqu'au début de l'année, jusqu'au début du mois de janvier, lorsqu'on se concentrera sur l'année 2021. Voilà les résultats de l'IGF 2020. Voici le lien. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, bien le voir, mais voici, le lien. Je voudrais maintenant demander au secrétariat à ce qu'il y ait plus de liens là-dessus. Donc, voici nos résultats officiels qui ont été produits par le secrétariat de l'ONU. Voici les sommaires qui sont des sommaires provisoires et des messages sur l'environnement et sur l'inclusion et sur la confiance et le rapport de la phase numéro 1 et le rapport sur la table ronde des parlementaires. Oui, nous avons aussi les informations médiatique pour ceux qui sont intéressés, notamment par les remarques du secrétariat général et par le président de l'Assemblée et aussi le secrétaire général et le président de UNDESA. Voici les liens dans le réseautage médiatique. Maintenant, je voudrais vous présenter, et je continuerai à souligner l'importance de cela, c'est que nous faisons beaucoup de travaux entre les sessions. Il y a eu des commentaires, d'ailleurs, lors de la réunion, que l'IGF ne devrait pas se limiter seulement à une initiative ponctuelle une fois par an. Nous ne sommes pas une telle initiative. En aucun cas, nous avons d'autres initiatives, des forums et des coalitions dynamiques qui ont leur rapport, leur réunion. Vous pouvez trouver cela ici, sous ce lien-là. Il y a aussi des groupes MAG, des groupes de travail qui sont très importants. Il y a deux membres de groupes MAG qui se sont joints récemment à ce groupe. L'une des philosophies de l'IGF
EPF, c'est justement l'inclusion. Ensuite, nous avons les résultats concernant la participation, les leçons à tirer, des sessions, les rapports des sessions, les engagements volontaires. Nous avons collecté tout cela pour tout ce que nous avons en fait identifié et les transcriptions de nos sessions en 2020, des vidéos YouTube, ici les liens, vous pouvez les trouver. Nous utilisons le canal IGF sur YouTube, vous pouvez trouver toutes les vidéos et sur Facebook, vous pouvez trouver la session principale, les vidéos de cette session, mais aussi la session de haut niveau et les vidéos de cette session-là. La même chose s'applique pour ce qui est de l'UNTV. Si vous entrez sur ce site, vous pouvez y trouver les mêmes vidéos. Il y a aussi d'autres résultats et documents pour ce qui est, par exemple, de la plateforme de Genève qui est créée par notre fondation. Ils ont leur propre version de leur analyse, de leur rapport journalier. Il y a des sommaires de sessions aussi, des résumés de sessions. Et vous pouvez donc consulter leur site Internet pour consulter les informations dont vous avez besoin. C'est très intéressant. Donc, tout y est, toutes les informations officielles et les informations de la part de nos alliés, pour ainsi dire. Encore une chose que je voudrais souligner, c'est qu'il y a ce délai, cette date du 1er décembre, où l'on aura tous les rapports de toutes les sessions. Ce qui est nouveau cette année, c'est que nous avons donné la chance à nos communautés de faire des commentaires aux rapports de session et commenter sur tous les résultats que je viens de vous présenter sur notre site. Donc, si vous êtes intéressé, consultez notre site Internet. Si vous avez des commentaires, veuillez envoyer votre email. Nous allons voir votre contribution parce que nous voulons avoir des contributions de la réflexion de la part des communautés représentées. Si vous sentez peut-être que nous avons, par exemple, passé outre un certain problème ou un groupe, faites-le. En ce qui concerne les organisateurs des sessions, veuillez envoyer votre message au secrétariat de l'ONU. Nous allons donc partager cette information avec les organisateurs des sessions pour leur donner la chance de s'exprimer, de changer leurs enregistrements selon les messages et les commentaires apportés. Nous espérons obtenir le résultat final. Nous l'aurons, en fait, d'ici la fin du mois de décembre. Et c'est à ce moment-là que nous allons commencer à le distribuer à nos communautés, à nos collègues, par exemple au Conseil de l'Europe, à l'OCDE et à d'autres organisations de l'ONU telles que l'UNESCO et d'autres partenaires de notre organisation. Donc, ce serait tout ce que j'aurais à dire. Je voudrais juste demander à Henriette s'il a des commentaires. Il y avait une question dans le chat. Comment est-ce que ces statistiques peuvent être comparées avec les IGF précédents qui s'est déroulé en face à face? C'était l'une des questions. Sinon, il y avait également une autre question sur les liens entre les initiatives au niveau local, régional, au niveau des jeunes et les initiatives globales. Est-ce que ces liens étaient forts ou pas? Très bien. Alors, quel est le résultat de la comparaison de ces statistiques? Eh bien, selon mon analyse de ces statistiques de taux de participation, on peut dire que c'est très bien par rapport aux statistiques relatives aux rencontres en face à face. Si on regarde cela, on a les statistiques de Zoom.
On ajoute cela aux statistiques de la télévision des Nations Unies et aux statistiques de Facebook. Nous savons, nous sommes bien conscients du fait qu'effectivement, il y a quelquefois des personnes qui sont là sur Zoom et en même temps, ils regardent sur Facebook, ils regardent sur YouTube ou sur la télévision des Nations Unies. On est bien conscients de ce fait et on prend cela en compte. Donc, on ne le note pas exactement comme je viens de le faire il y a quelques instants, mais je pense que beaucoup plus de personnes écoutent un canal particulier pour voir qu'est-ce qui se passe. Je pense donc qu'en ce qui concerne le taux de participation, on a eu un nombre plus important de participants d'un nombre supérieur de pays qu'avant cette année. Si l'on se compare aux réunions traditionnelles en face à face. Donc, il y a de la valeur ajoutée. Même s'il y a des rencontres en face à face, il ne faut pas négliger ce qu'on fait aussi au niveau de la participation en ligne. Donc, on devrait dévouer autant de ressources que possible pour qu'il y ait aussi des participants en ligne, en plus des rencontres en face à face. En ce qui concerne les initiatives nationales, régionales, je pense que notre communication avec les initiatives nationales ou régionales est très bonne. Nous avons un point de rencontre national-régional. Vous connaissez très bien la personne, Anya, elle fait un excellent travail pour communiquer avec les initiatives nationales, régionales. Nous comprenons très bien que les initiatives nationales et régionales sont des initiatives indépendantes. Et on travaille avec eux, on collabore. Ils ne travaillent pas pour nous, mais on travaille ensemble. Selon mes observations, autant que j'ai vu, cette collaboration, puisqu'il s'agit bien d'une collaboration, eh bien, elle se passe très, très bien. Et nous allons poursuivre cela. Merci. Shengetai, en ce qui concerne le contenu, la teneur de l'IGF de cette année, donc là, ils étaient beaucoup plus visibles qu'avant en organisant de nombreuses séances en parallèle à la séance principale. Donc, de mon point de vue, je pense que nous avons ici un benchmark en ce qui concerne la participation des NRI. Et voilà, donc maintenant, je vais arrêter de lire tout ce qu'on a sur le chat. On veut entendre des personnes. On a eu Uta Akol, Ben Sterf, Amir Hossein et d'autres personnes qui ont levé la main. Donc, commencez à ajouter vos mains levées et ce sera votre tour. Uta, à vous. Merci beaucoup, Henriette, pour m'avoir donné le micro. Merci, Shengetai, pour avoir présenté ces statistiques fantastiques de l'IGF de cette année. Je suis Uta Kroll. Oui, présentez-vous. Oui, je suis membre du MAG en troisième année maintenant, donc partante maintenant. Donc, je représente la société civile et je représente l'Allemagne. Je parle ici également en tant que co-facilitatrice d'une coalition dynamique avec Marco Stummer. Et j'ai été vraiment très contente de voir les excellentes statistiques, non seulement de la participation, mais également de l'auditoire sur le canal YouTube en ce qui concerne la séance principale. Nous avons aujourd'hui 22 coalitions dynamiques. La majorité d'entre elles ont participé à la préparation et à la mise en œuvre de la séance principale des coalitions dynamiques. Seules celles qui venaient d'être créées n'étaient pas impliquées. Je dois souligner, suite à la séance de récapitulation qu'on a eue lundi dernier, que cette collaboration entre les coalitions dynamiques est très importante. On a vu cela également dans le cadre des différentes séances qui découlaient de la séance principale. Donc, ces séances étaient assez bien préparées par la coalition dynamique. Le résultat était non seulement bon, mais en fait, on a pu également atteindre de nombreuses communautés puisque la coalition dynamique s'adresse en fait et s'occupe de toute une gamme très large de sujets relatifs à la gestion de l'Internet. Donc,
Nous avons commencé à préparer un rapport sur l'activité de coalition dynamique, sur ce qui a été fait au cours de 15 dernières années, mais on regarde cela également dans une perspective axée vers le futur, dans le cadre du modèle IGF+, où les coalitions dynamiques et ceux qui coopèrent avec les coalitions dynamiques voient le rôle important que les coalitions dynamiques peuvent jouer dans le cadre de cette croissance dynamique du nombre des coalitions dynamiques. On voit combien grand est le potentiel de ces coalitions pour s'occuper des nouveaux sujets en ce qui concerne la gouvernance de l'Internet. On a là l'une des plus jeunes coalitions dynamiques qui s'est occupée, qui s'est saisie des questions environnementales et des données dans ce domaine. Donc, on peut dire qu'en tant qu'élément de ces événements environnementaux, c'est le fruit de la séance de l'IGF cette année. Donc, le travail des coalitions dynamiques a également le soutien aussi fort que celui des initiatives nationales et régionales. Merci beaucoup de votre attention. Merci Yuta. Shengetai regarde la queue de personnes qui veulent intervenir. Je supervise ça. Maintenant, Vint. Merci beaucoup. Je cliquais sur le bouton mute et on m'a dit « vous n'avez pas le droit de parler ». Voilà, je suis Vint Cerf, analyste en chef et participant depuis de longues années à l'IGF. Tout d'abord, Shengetai et les autres personnes au secrétariat, je voulais vous dire que je suis vraiment extrêmement impressionné par la manière dont vous avez utilisé les solutions informatiques et le mécanisme de Zoom. La grande surprise pour moi en particulier, c'est la manière dont on a géré l'interprétation. Vraiment, ça m'a fait grand plaisir de le voir. Mais une autre chose qui m'a très impressionné, c'est la manière dont le système était organisé. On pouvait se retrouver les uns les autres, on pouvait s'envoyer des messages, on pouvait s'inscrire à des séances. Donc, c'était un tour de force impressionnant. C'était du bon travail. Et je me demande si tout cela a été généré en interne ou est-ce que vous avez trouvé quelqu'un, quelque part dans le monde, qui nous a bâti ce système qu'on a utilisé. Mais en tout cas, c'était extrêmement utile. Donc, c'est également utile pour d'autres acteurs qui voudraient organiser des événements pour bénéficier des mécanismes de ce type. Ça, c'est mon premier point. Donc là, vraiment, chapeau bas. Excellent boulot. Deuxièmement, Shengetai en particulier, je voudrais vous dire et vous demander quel est le soutien nécessaire pour le secrétariat, en particulier sur le plan des finances, pour qu'on puisse définir un objectif à atteindre. Donc, il y a toujours trop peu de personnel, c'est clair, mais déjà, ce que vous avez réussi à faire, vous l'avez réalisé d'une manière excellente, avec un grand succès. Cet événement était vraiment très réussi. Et finalement, mon troisième point, ma troisième remarque, c'est que je suis sceptique en ce qui concerne la possibilité de faire des activités mixtes entre rencontres en face à face et en ligne, parce que donc là c'est pas évident, donc il vaut mieux rester carrément dans le milieu en ligne. C'est vraiment beaucoup plus facile. Non seulement nous évitons de voyager, mais en même temps nous pouvons nous impliquer. Donc je ne voudrais pas dire ça parce que j'aime bien rencontrer les autres directement et l'expérience culturelle qu'on peut vivre dans d'autres parties du monde, c'est vraiment très utile. Mais sinon, c'était vraiment un super boulot. Vraiment, on a fait boum là. Donc, merci beaucoup pour ce que vous avez réussi à atteindre. Merci beaucoup. Je dois vous dire que le MAG actuellement réfléchit à un modèle hybride, quelque part. Mais je pense que votre remarque est tout à fait pertinente. Oui, on note bien ça, on va en tenir compte. Shengetai, voulez-vous répondre à ce que Vint vient de dire? Oui, tout à fait, merci. Merci Vint. Vous nous avez apporté un grand soutien dès le début, depuis 2006, depuis la création de l'IGF. Vous avez été vraiment très impliqué et on apprécie cela beaucoup. En ce qui concerne l'organisation et les aspects techniques, la majorité
a été réalisée en interne et je voudrais remercier notre technicien Loïs Bobo pour avoir fait ça, pour le calendrier et tout. Sinon, Serena aussi, qui a fait le site et qui a géré ces aspects-là. Donc, ces deux personnes-là ont fait un excellent travail sur ces deux aspects. Donc, le site. Sinon, je voudrais dire que je n'oublie pas les autres personnes. Je voudrais remercier également les autres personnes au sein du secrétariat pour avoir écrit des textes, pour la consultation, pour toute aide. Ania aussi. Donc, c'est une équipe, en fait, qui travaille sur tous ces aspects-là du site web. Nous sommes vraiment très contents de pouvoir parler à tous ceux qui s'intéressent à ce que nous avons fait et sur la manière dont nous y sommes pris. Donc, ça a été vraiment très utile pour nous également parce que nous avons pu discuter avec le groupe technique de l'ICANN, avec ISOC, avec IPMIC. Nous avons discuté aussi avec APR, IGF, et ils nous ont dit des choses. Aussi, ils nous ont dit comment ça marchait. Et ils nous ont expliqué qu'est-ce qui ne marche pas bien et qu'est-ce qu'il faudrait éviter. Et où il faudrait déployer davantage de ressources et où ce n'était pas nécessaire de déployer autant de ressources. Donc, merci à toutes ces personnes-là et aux autres qui nous ont aidés. Merci. Ensuite, nous avons Amir Hossein et ensuite Vault. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais la voix n'est pas très claire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir donné le micro. Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'IGF. Amir, n'oubliez pas de vous présenter. Je représente l'administration iranienne. Merci au MAG pour avoir permis d'organiser cela. Malheureusement, on n'entend pas. Ce qui est important, c'est que l'Internet soit un environnement dans lequel on puisse fonctionner. Malheureusement, l'interprétation est impossible du fait de la qualité du son. Vous savez, avec le COVID-19, la situation est très compliquée. Il faut également investir dans le domaine de l'Internet. Il faut développer les ressources. Dans le cadre du programme de développement national, le secteur privé iranien s'implique également.
L'économie numérique est devenue un grand terrain de bataille désormais. Il faut mettre en place un comité qui s'en occupe au niveau des Nations Unies pour la cybercriminalité, pour la gestion des données et tout ça. Et c'est comme ça qu'on peut construire une organisation. Est-ce que vous m'entendez? En fait, on a vraiment beaucoup de mal à vous entendre. On a beaucoup de mal. Donc, je pense qu'il vaut mieux que vous écriviez votre commentaire dans le chat. Donc, écrivez, s'il vous plaît. Ma suggestion, c'est qu'il faudrait mettre en place un comité spécial pour s'occuper des questions cybernétiques et s'occuper de la sécurité et de la cybercriminalité. Comme on pourrait créer une organisation comme l'ICAO pour l'aviation civile, donc on pourrait faire la même chose pour l'Internet. Nous avons par exemple la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer, et on pourrait faire quelque chose comme ça pour l'Internet. Bon, c'est un sujet à part peut-être pour l'IGF. Juste pour rappeler à tout le monde. Donc, on parle de l'IGF, et là, c'est le retour d'informations sur l'IGF 2020, mais la remarque de notre collègue iranien est une suggestion pour le contenu de l'IGF. On va le en tenir compte pour l'organisation de l'IGF 2021. Et là, vous aurez l'opportunité à nouveau de faire ces recommandations, les recommandations de ce type pour ce qui est des sujets à discuter pendant l'IGF. Et permettez-moi de dire une dernière chose. Oui, allez-y. Merci. Nous avons besoin, au sein des Nations Unies, d'une organisation qui s'occuperait de questions de l'Internet pour résoudre les problèmes accumulés de la gouvernance de l'Internet. Donc, il nous faut une charte de l'ONU, en particulier pour l'espace numérique. Donc, il nous faut une charte numérique au niveau des Nations Unies pour promouvoir le développement juste et la protection des droits constitutionnels en équilibre avec l'intérêt public pour qu'il y ait plus d'alternatives. Il faut des règles aussi pour un comportement responsable sur la plateforme numérique. Donc, l'IGF devrait s'occuper de ces questions importantes et de ces suggestions. Merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de soulever ce sujet crucial. Merci, Henriette. Merci beaucoup pour votre participation. Vous avez été un participant très actif. Je viens de mettre dans le chat, je sais que ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui, mais ces types de recommandations peuvent également rentrer dans le processus ouvert dans le cadre de l'ONU et un groupe de travail qui s'en occupe. Maintenant, nous avons Volt. N'oubliez pas qu'il faut que vous parliez brièvement et que vous vous présentiez tout d'abord. Bonjour, je m'appelle Volt Natris. Je suis consultant néerlandais intergouvernemental dans le cadre de la coalition des standards internationaux sur l'Internet et sur la sécurité de l'Internet. Je dois dire que c'était un travail excellent qu'on a vécu là au cours des 15 derniers jours au sein de l'IGF. Donc, félicitations à tout le monde, à tous ceux qui ont permis la mise en place de cela. En ce qui concerne les commentaires sur les conférences de type hybride, je pense qu'il y a des options pour y travailler. On pourrait s'y pencher, effectivement, parce que nous avons des débats très actifs au niveau du chat, ce qui est ajouté ensuite au contenu de la séance si ceux qui gèrent la séance l'ajoute, mais en fait c'était une erreur parce que déjà il y avait tellement de sujets au sein du panel qu'avant qu'on ne puisse commenter, la séance était terminée. Donc c'est quelque chose sur quoi il faut qu'on se penche parce que s'il y a 6, 8, 10 ou même 12 personnes au sein du panel qui durent une heure et demie, voire même une heure, comment est-ce qu'on pourrait permettre la participation en ligne en plus? Et donc là, c'est pareil
avec ce qui se passe au sein de l'IGF. Donc, si on veut le faire l'année prochaine, si on a la chance d'aller à Katowice l'année prochaine, ce serait bien de faire en sorte qu'il y ait un modérateur très fort pour tout ce qui est participation à distance, donc des personnes qui puissent écouter ce qui s'y passe, avec des phases sur l'écran peut-être, pour que ces gens-là puissent être vus et pour que ça soit plus équilibré et plus juste. Voilà un sujet sur lequel il faudrait se pencher. Sinon, la séance elle-même, la manière dont on organise la séance, c'est peut-être un sujet sur lequel il faudrait se pencher avec plus de sérieux, parce que effectivement, il est important de bien travailler sur cette participation à distance, parce que c'est clair que ça va demeurer hybride dans l'avenir. Donc, une autre suggestion pour améliorer les choses, je l'ai déjà dit, mais je vais continuer à le redire. On a eu tellement de séances consacrées au sujet du COVID, et COVID est quelque chose de lié à l'Internet. Donc, en fait, on discutait toujours de la même chose. Si l'on cherche des résultats tangibles, donc là, il faudrait qu'on se concentre d'habitude, qu'on se concentre davantage sur les sujets à soulever. Parce que si l'année prochaine, il y aura 10 séances qui seront consacrées, il faudrait se demander tout d'abord quel est le résultat attendu. De cette manière, on pourra travailler sur la réponse à un problème donné. Et à ce moment-là, on pourrait accélérer le processus de réflexion ou de suggestion de nouvelles politiques, peut-être. Et là, l'IGF pourrait devenir un catalyseur et non seulement la même personne qui dit la même chose dans le cadre de la même matrice à une autre séance. Voilà. Une dernière phrase. Donc, l'IGF a été vraiment très visible la semaine dernière. Donc, vous avez dit qu'il faudrait une bonne collaboration dans le cadre du gouvernement de Biden. Et là, l'IGF a été mentionné comme l'une des organisations. Donc, ça, on voit bien qu'il y a des choses qui commencent à se passer. Donc, il faudrait peut-être regarder ça de très près pour que notre séance principale soit consacrée peut-être à la collaboration internationale l'année prochaine, pour que les différentes administrations et organisations soient invitées pour qu'elles y participent. Et ça nous permettrait de faire en sorte que la visibilité de l'IGF augmente de manière vraiment très forte. Donc, le fait que The Economist nous a cités, c'est quelque chose à célébrer, je pense, au moins un tout petit peu. Merci. Thanks, Wout. Merci, Wout. Il y a vraiment de quoi faire et il y a une raison pour célébrer. Merci de votre contribution. Nous avons encore beaucoup de participants qui voudraient s'exprimer. Veuillez vous exprimer pendant une minute au maximum. L'intervenante suivante. Pour ce qui est de la, du dynamisme des valeurs de l'Internet, je voudrais ajouter aux remarques qui ont été faites que les coalitions dynamiques sont une partie très importante de notre processus au sein de l'IGF. Ils contribuent beaucoup à l'IGF+. Il serait bien d'avoir des règles formelles à tout niveau concernant l'IGF+, y compris le forum . C'est mon opinion personnelle. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu dire. Merci. Merci, Steva. Maintenant, nous avons l'intervenante suivante, Sylvia. Merci, Orient. Je m'appelle Sylvia Cadena. Je travaille pour la Fondation APNIC. Je fais partie de la communauté TECNIR. Je vous rejoins aujourd'hui de Brisbane, d'Australie. En tant que membre de MAG, je voudrais commenter
les activités du secrétariat. Vous félicitez Henriette de son leadership. Sans votre implication, on ne pourrait pas avoir ce dialogue sur la diversité. On n'aurait pas tellement de commentaires positifs de la part de nos participants. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de participer au MAG. Sous votre leadership, je voudrais aussi remercier mes collègues du MAG de leur implication, de leur travail, de leur effort. Nous avons vraiment ressenti beaucoup d'adrénaline, des afflux d'adrénaline, et beaucoup de choses à souligner pour cette année. Je voudrais ici mentionner notamment les aspects liés à l'inclusion, la conclusion et les données. Il y a beaucoup de liens entre les thèmes qui ont été abordés. Tout a été très bien organisé, toutes les sessions ont été organisées. Il a été facile de naviguer entre les sessions et pour ce qui est du travail entre les sessions, ça aussi c'est facile et tout a été très bien organisé. Bien sûr, il y a toujours une marge de manœuvre pour apporter des améliorations. Ici, nous avons parlé beaucoup des aspects hybrides, des conférences hybrides. Je voudrais ici faire trois recommandations concernant le MAG. Encourager le MAG à prendre en compte des mécanismes renforçant les thèmes liés à l'environnement dans toutes les sessions. C'était un thème nouveau, une trame nouvelle, abordée de façon réduite lors de nos sessions, mais c'était vraiment incroyable qu'on a pu le faire. Ça a été déjà mentionné et ça a suscité un grand intérêt de la part de nos communautés. Donc, l'IGF doit être plus à l'écoute, continuer à être plus à l'écoute de nos communautés et évaluer nos processus pour bien sélectionner les sujets abordés. Deuxièmement, s'il y a besoin de réunions virtuelles de l'IGF, encore une fois, il faut faciliter la participation pour les participants de la région Asie-Pacifique et élargir les services d'interprétation, de transcription le plus possible pour faciliter l'accès à l'information et explorer des alternatives visant à avoir plus de participants, plus de canaux de participation. Ce sont les leçons principales à tirer de cette session. La recommandation finale est que nous, en tant que communauté, sous le leadership du secrétariat, nous devons revoir nos documents et tout ce qui est lié aux plateformes de téléconférence qui sont au service de notre communauté dans cette situation difficile pour savoir quels sont nos besoins du point de vue des technologies. Maintenant, beaucoup de personnes ont décrit des défis liés à leur participation sur Zoom, par exemple. Je ne pense pas que ce soit unique à l'IGF, c'est juste la manière de concevoir les outils technologiques qui a un impact sur nos attitudes. Je pense que Zoom, WebEx et d'autres plateformes, ce sont des plateformes qui gagnent de l'argent grâce à nous. Nous gagnons beaucoup en les utilisant, mais il serait bien de leur donner un retour d'information pour qu'ils puissent améliorer leurs produits. J'encourage maintenant le secrétariat à ce qu'il prône cette idée davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvia. Merci de votre contribution au MAG. Ça a été une immense contribution. Nous allons vraiment manquer votre participation aux travaux. Maintenant, nous avons Valeria. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais juste commencer en félicitant tous ceux qui ont rendu possible la réunion de cette année, qui ont contribué au succès de la réunion de l'IGF. Je voudrais remercier le secrétariat Henriette pour ce leadership magnifique. Nous savons qu'organiser une telle réunion dans une telle situation est un grand défi. Merci beaucoup pour cela. Je voudrais tout particulièrement dire que, surtout cette année, l'IGF
à montrer à quel point il est important d'analyser les aspects liés à la gouvernance de l'Internet. Avec beaucoup de succès, nous avons pu débattre et parler des actions visant à renforcer l'IGF pour qu'on a été impliqué même plus qu'auparavant. On a parlé des idées, des actions orientées vers l'avenir de l'IGF pour améliorer le système au sein de l'ONU. Aussi en tant que plateforme qui identifie les idées qui sont appliquées dans l'avenir et qui rendent notre coopération encore plus étroite dans ces temps difficiles. Je voudrais soutenir les recommandations de Sylvia Cadena, surtout sur le renforcement des aspects environnementaux. Nous avons eu ces aspects lors des sessions et nous en sommes vraiment ravis. On voudrait que le MAG inclue les questions environnementales lors des sessions suivantes. C'est très encourageant parce que ça a un impact sur nos politiques. C'est quelque chose de très prometteur comme initiative. Nous soutenons tout cela, surtout pour ce qui est des données liées à l'environnement. Bien sûr, je devrais commenter sur l'importance de la prise en compte des possibilités pour l'avenir sur la coopération numérique. C'est quelque chose de très important dans l'avenir pour augmenter les possibilités liées à la coopération au niveau global sur l'expansion de l'Internet. J'ai quelque chose d'important encore à dire. Peut-être je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore une fois. Eh bien, nous avons eu des discussions détaillées sur les défis liés à la sécurité et à tout ce qui est lié aux droits de l'homme. Quelles sont les conditions qui accompagnent les processus qui visent à défendre les droits de l'homme lors du COVID? Comment développer les outils nécessaires du point de vue numérique pour lutter pour le respect des droits de l'homme? Je l'en voudrais. On a vu les experts parler de cette situation, donc il faut identifier les solutions à offrir par l'IGF dans cette situation spécifique. Je voudrais en terminer en disant qu'il faut préparer un retour d'information détaillé sur les situations à venir. Il faut élaborer les recommandations nécessaires. Je voudrais juste souligner que ça a été un grand plaisir de voir que l'IGF en 2020 encourage l'inclusion de toutes les parties prenantes et l'utilisation de plusieurs solutions technologiques de l'intelligence artificielle pour répondre aux défis, non seulement ceux qui sont liés à la pandémie, mais aussi à ceux qui sont liés à l'ère numérique, au développement numérique. Merci beaucoup. Merci, Valeria. Michael Nelson, je sais que c'est très difficile de s'en tenir au cadre temporel, mais veuillez le faire, Mike Nelson. J'ai été impliquée dans le développement de la société de l'information et dans les travaux de l'IGF. Je suis très impliquée dans l'IGF aux États-Unis. Pour ceux qui me connaissent, je représentais Microsoft au sein du MAG. J'aime bien tweeter. Par exemple, je voudrais vous donner 10 suggestions, 5 secondes, une. Ça a été le meilleur IGF de toutes nos réunions parce qu'il a été fait en ligne. Il y a eu une grande représentativité. Ce qui ne s'est pas passé, c'est que l'on n'a pas eu toujours les meilleures personnes qu'on a pu recruter. Deuxièmement,
toutes les personnes du secrétariat, je voudrais les remercier. L'expérimentation avec le nouveau format, un remue-ménage magnifique, une belle session. Les problèmes techniques lors de la session d'ouverture, il y a donc le backup. C'est ça qui est le plus important et c'est ça qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de sessions sur les technologies émergentes, les solutions émergentes. C'est ça le problème maintenant. Lorsqu'il y a de nouvelles idées, beaucoup de personnes ne les comprennent pas. Il n'y a pas de soutien concernant ce genre d'idées. Il faut toujours parler de ce qui sera le pas suivant. Il y a cette question qui est liée à des discussions qui se font en aparté, malheureusement sur le Zoom. Ce sont de grandes réunions, donc on ne peut pas chatter en individuel. Je sais que c'est un problème. Il y a le problème avec le cyberbullying, par exemple, mais il faut améliorer la communication. Il serait bien à ce qu'il y ait des ratings Yelp en temps réel pour que l'on puisse voir, par exemple, il y a trois choses qui se déroulent, laquelle je voudrais voir le plus et, par exemple, les cinq sessions que tout le monde devrait voir. Par exemple, on peut ainsi évaluer la valeur de la session. L'agenda en ligne ne marche pas toujours très bien. Je sais que ça demande beaucoup d'efforts, mais sur l'agenda, il doit y avoir des liens sur YouTube. Si je me connecte à l'agenda, je dois aussi avoir la possibilité de me connecter à un lien précis. Maintenant, les zones temporelles, il faut les abolir, je crois. Et l'IGF, je crois, peut le faire. Sérieusement, il serait bien à ce qu'il y ait des sessions qui seraient doublées, par exemple, éloignées l'une de l'autre de 12 heures pour les zones temporelles différentes. Un autre problème, il y a eu des sessions qui ne sont ni sur la gouvernance ni sur l'Internet. Il faut se pencher sur cela parce que l'on peut avoir des sessions qui ne sont pas bien faites ou suffisamment bien faites lorsque les autres sont très bien faites. Et d'autres questions, par exemple, qui doivent être améliorées, c'est qu'il y ait plus de sessions de questions-réponses. Maintenant, il y a une grande pression de temps. Et le dernier point, c'est ne parlons pas de conférences hybrides, mais de conférences virtuelles et d'autres conférences, organisons une autre conférence en personne. Il y a toujours ce complexe lié au déplacement à l'industrie hôtelière et tout cela. Il y a toujours ce besoin d'acheter beaucoup de choses et de payer tout le monde. Et on peut organiser des réunions plus courtes lorsque les personnes se rencontrent en personne. Ne dites pas hybride. Il faut diviser cela en deux, le faire de deux manières différentes. Merci beaucoup. Merci. Ce serait tout de ma part. Tous mes commentaires. Merci. Merci, Michael. Avant de passer à la personne suivante, je voudrais juste commenter parce que je vois que quelqu'un nous a écrit sur le chat que disant que certains apports dans nos sessions n'ont pas été reflétés par les rapports. Il faut savoir que il y a toujours un rapport qui est compilé après la session et en se basant sur ce rapport, le secrétariat rédige des documents. C'est pour cela qu'il y a une innovation cette année, c'est-à-dire que les gens peuvent commenter les rapports de session. Si vous sentez que votre contribution n'a pas été reflétée dans les rapports de session, c'est pour cela que nous avons donné aux gens cette possibilité pour qu'ils puissent justement commenter les rapports de session. Voilà, maintenant, la personne suivante. Malheureusement, j'ai perdu le contrôle de ce que je vois. Oui, non, Elisabeth. M.
Merci Henriette. J'essaie de me brancher. Je m'appelle Elisabeth Schauermann. Je représente la Société de l'information Allemagne. Nous avons l'année dernière organisé la réunion des jeunes au sein de l'IGF. Maintenant, nous continuons avec le projet qui consiste sur la durabilité. En ce qui concerne le feedback des jeunes, eh bien, c'est une grande importance lors de nos réunions. Je voudrais brièvement commenter sur l'une des choses qui sont seulement les plus positives, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de représentants de jeunes lors de nos ateliers, lors de nos sessions de haut niveau. Et c'est une bonne pratique, ce qui s'est fait déjà auparavant et maintenant, c'est devenu quelque chose qui a gagné de l'importance. Et nous savons que beaucoup de jeunes ont été représentés et les autres Polonais vont continuer cette tradition. C'est justement un impétus très important. Il faut continuer comme ça dans l'avenir même. Après la réunion de 2021, il faut le dire à nos hôtes suivants, et lorsqu'on organise des réunions virtuelles dans l'avenir. Le feedback que j'ai obtenu de la part des gens, des jeunes que je connais au sein de mon réseau, les jeunes qui se sont joints récemment à l'initiative m'ont dit que se joindre à des réunions virtuelles a été un grand défi. Mais bon, il n'est pas toujours si facile d'attirer les jeunes à cette initiative lorsqu'ils ne sont pas tellement habitués à la structure. Bon, logistiquement, ça a été facile pour les jeunes de se joindre. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas se déplacer facilement, donc pour eux, il a été beaucoup plus facile de se joindre. En ce qui concerne le format même, si on devient plus virtuel, l'interaction n'est pas si évidente que ça, mais ça rend possible de se joindre à la réunion aux gens qui n'ont pas pu se déplacer. Donc, je pense que l'on va tirer des leçons de ce qui s'est déroulé cette année pour organiser les réunions encore meilleures dans l'avenir. Merci, Elisabeth. J'ai une question. Et j'espère que vous n'avez pas encore répondu à cette question parce que j'étais en train de regarder le chat. Les chats peuvent être une grande distraction. Comment, quel est votre ressenti sur une session de jeunes en parallèle aux sessions régulières de l'IGF? Nous avons eu une session de micro ouverte la semaine dernière. Des personnes jeunes nous ont dit qu'elles auraient voulu ne pas avoir à choisir entre les sessions de jeunes et les sessions régulières. Quelle est votre réflexion là-dessus? Je pense que vous n'avez pas branché votre micro. Oui, je peux reparler maintenant. Me basant sur mon expérience, ça a toujours du sens de ne pas séparer le jeûne qui se passe en parallèle pour assurer une participation complète. Il faut d'abord bâtir de la capacité avant, mais ce n'est pas facile lorsque chacun se trouve dans des fuseaux horaires différents. Donc, dans un contexte idéal, on pourrait impliquer les jeunes avant le démarrage de la séance principale et des ateliers et du programme de l'IGF. Merci beaucoup, Elisabeth. Je sais que Anya va travailler sur cela avec tout le monde. Ensuite, nous avons Michael Oka. Bonjour Henriette, merci beaucoup pour m'avoir invité. Je m'appelle Michael Oga, je travaille avec le Global Forum for EDF Development et je travaille au sein du secrétariat de la coalition dynamique sur le développement du journalisme durable. Ça, c'est l'une de mes casquettes. L'autre, c'est que je suis membre du comité pour ce qui est de la coalition des droits de l'Internet, une autre organisation. Et donc, les sujets importants à souligner, c'est que tout d'abord, merci beaucoup pour tous ceux qui ont travaillé pour atteindre ce succès. Pour moi, personnellement, ça fait des années que je milite pour un développement durable en matière d'environnement, pour que cela impacte notre travail. Et donc là, finalement,
on a pu le faire et ça a été quelque chose qui a été vraiment une grande confirmation et une expérience extraordinaire pour moi. Donc, je voudrais vous remercier tous, toute la communauté, tous ceux qui militaient pour cela. Donc, on peut dire que ça a été un grand succès. Donc, je vous encourage à poursuivre cette approche à l'avenir. L'une des meilleures choses, c'est qu'on pouvait contacter des gens qui autrement ne seraient pas là. C'était le cas de l'un des intervenants à l'atelier que j'ai co-organisé. Elle vient du Chili, c'est une excellente personne, mais sinon elle ne pourrait pas venir. Donc cela a créé de nouvelles opportunités. Cela étant dit, c'était non seulement une expérience, mais en même temps, ça se passait à un moment où chacun de nous vivait quelque chose de complètement nouveau. Donc, toute cette année 2020 est quelque chose de différent. Si on devait faire quelque chose de virtuel à l'avenir, que ce soit hybride ou autre chose, peu importe. Mais je voudrais que cela se passe dans le contexte d'une expérience politique et sociale bien différente de ce qu'on a eu cette année. Mais bon, cette année, c'était effectivement très fatigant. Donc, il y avait des questions de fuseau horaire. Certes, moi, je suis en Europe centrale, donc c'était facile pour moi, mais on avait également d'autres missions en parallèle qui s'ajoutaient à l'IGF. Donc, on avait 2 semaines et demie pour démarrer tout ça. Et pour ce qui est des formats du webinaire, c'était pas comme d'habitude les IGF, c'était une série de webinaires. Donc, on posait des questions, on écoutait, c'était pas vraiment un débat. C'était très vertical. Sinon, de nombreuses séances se superposaient les unes sur les autres. Yuta et tout le monde, au niveau du groupe de coordination DST, on en a parlé tous lundi dernier. Donc, pour moi, ça aurait été plus utile si on pouvait avoir des séances combinées où on avait un sujet particulier, mais finalement, le respect des fuseaux horaires serait plus compliqué à ce moment-là. Donc, bon, il n'y a pas de solution parfaite sans doute, mais s'il y en a une, ça devrait être basé sur les données, ça devrait être basé sur la pratique, sur notre expérience. Je voudrais encourager tout le monde à garder à l'esprit qu'on ne peut pas dire qu'être en ligne et hors ligne, c'est la même chose. Il y a quand même une ressource d'énergie limitée. On ne peut pas tout faire. Ce n'est pas pour critiquer le MAG. Cette décision a été prise au moment auquel elle a été prise, et je pense que c'était la bonne chose à faire. Mais en même temps, je nous encourage tous à ne pas juste répliquer cela. Si on va refaire ce type de choses à l'avenir, je pense que c'est une excellente idée. Il faut garder à l'esprit le fait que le fait de participer à une séance, ce n'est pas encore suffisant pour obtenir un bon engagement. Si on regarde le nombre d'intervenants, c'est génial. Par contre, la qualité, là, je reste un peu sur ma faim. Donc, beaucoup de choses sont passées cette année. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été déployé, mais on n'a pas eu le réseautage, on n'a pas eu beaucoup d'effets qu'on aurait eu lors d'une séance normale. Donc, ce n'est pas uniquement une question de se montrer aux autres. Bien sûr, on ne doit pas juste sponsoriser le secteur de l'hôtellerie, des taxis, des aéroports. D'accord, mais en même temps, il y a quand même un élément humain, un élément social qui est important. Ça vaut la peine de le vivre. Donc, c'est quelque chose qui également nous enrichit. Donc, j'encourage à le faire aussi. Merci beaucoup. Merci, Michael. C'était un apport avec beaucoup de valeur. Je dois dire qu'on n'a pas passé suffisamment de temps pour prévoir les séances de réseautage. Il y en a eu, mais peut-être pas assez.
Sinon, je pense que c'est Michael Nelson qui l'a dit, le format des webinaires était si compliqué justement pour cette raison, parce que c'était tellement déshumanisé. On a fait l'effort de participer à une séance et finalement, on ne pouvait même pas nous voir. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve de manière de garder cette confirmation de l'effort qui est apporté par les gens pour participer. Sinon, le MAG en a discuté aussi. Donc, il y a eu des séances d'évaluation. Donc, il faut avoir les données, il faut les avoir plus rapidement pour qu'on puisse utiliser cela dans le cadre de la planification et le transmettre aux organisateurs. Mais je parle trop. Donc, maintenant, nous avons... Il y a tellement de choses qui se passent au niveau du chat. Je ne vois plus mes notes. Qui c'est maintenant? Timéa. Timéa, à vous. Merci beaucoup, Henriette. Alors, j'ai eu du mal à trouver mon bouton. Donc, je suis Timéa Chutet. Je suis membre partant du MAG. Donc, pour les organisations non gouvernementales et je voudrais tout d'abord vous remercier Henriette pour votre leadership et pour tout le travail réalisé au niveau du secrétariat. Je voudrais remercier aussi tous les autres membres du MAG pour leur implication. Donc, à travers les défis en matière de connectivité, donc les problèmes politiques qu'on a vécu, donc ce sont des problèmes qu'on a vécu toute cette année. J'ai quatre remarques à faire et je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. Je sais bien que nous devons respecter les horaires. Donc, tout d'abord, la participation. On voit, Chen Guetai a présenté les chiffres. Il y a eu un nombre sans précédent d'enregistrements cette année. La majorité de ces personnes-là étaient des nouvelles personnes. Important de le garder à l'esprit. Et on a eu une très grande diversité des participants. Pas uniquement au niveau de la région, mais il faut dire aussi que la diversité était également présente au niveau des champs d'activité, de branches de l'économie, des organisations internationales qui étaient présentes ici avec nous au cours de ces quelques dernières semaines. C'est un très bon testament pour le futur IGF. Et je pense qu'il faut continuer à bâtir là-dessus pour que les nouveaux soient impliqués, pour qu'ils contribuent à notre travail. Et ma deuxième remarque concerne le résultat et la communication. J'ai été également très impressionné par le fait que pour une deuxième année de suite, on a vu le niveau du reporting est presque en temps réel, réalisé par le secrétariat, le partage de résultats. Chen Guetai a parlé de la promotion de ces résultats aussi et qu'il fallait envoyer cela aux différentes organisations qui travaillaient dans le domaine sur lequel l'IGF s'est concentré cette année. Donc, on a eu du contenu de très bonne qualité pour fournir également des résultats pour l'IGF pour l'année prochaine, pour que la communauté continue à être impliquée et pour avoir cet élan pour la réunion de l'année prochaine. Et ça, c'est en particulier important pour les réseaux sociaux. Troisièmement, les questions techniques. Je voudrais dire également du bien comme les autres l'ont fait, de ce qui a été fait. Nous voudrions souligner en particulier ici ce qui a très bien fonctionné, à savoir la possibilité de poursuivre, d'assister aux séances en temps réel. Et le rapport était disponible juste après la fin de la séance. Donc les gens pouvaient aller là où ça les intéressait en particulier. Et je pense qu'il faudrait le faire, que ce soit hybride ou format double ou autre approche que l'IGF adoptera dans les années à venir. Et je suis d'accord aussi qu'il faut s'assurer que l'organisation tienne compte également du point de vue de l'utilisateur et de son expérience. Donc, on a eu l'enregistrement, l'interprétation, les opportunités de réseautage. Bon, il faut tenir compte de tout cela. Et sinon, la dernière remarque, c'est que d'une part, je voudrais répéter ce qu'on a dit l'année dernière. Donc, l'agenda doit passer par plusieurs canaux. Et donc, il y a les séances principales, les séances parallèles, les séances de travail. Et ça travaille, fonctionne en parallèle et ça marche très, très bien. Il faut poursuivre cela. D'autre part, les séances qui ont été très soulignées, très mises en avant par le secrétariat, donc après le Covid, comment reconstruire
en numérique de manière inclusive. Ce qui est réconfortant, c'est que ce message rayonne à l'extérieur de l'IGF, aussi au sein des ONG, des différentes organisations nationales, des entreprises. On voit que ce message est de plus en plus répandu. Et je pense que c'est le meilleur complément qu'on peut faire à l'organisation de l'IGF et à ce qui a été fait au cours de 15 dernières années. Et c'est une excellente preuve qu'on a besoin de cet espace pour avoir des discussions très franches et inclusives. Voilà, je voudrais remercier tout le monde pour ces 15 jours qui étaient excellentes. Des journées excellentes. Merci beaucoup, Timéa. Maintenant, Johan et Bruno, ensuite. Oui, Timéa, je voudrais vous remercier également pour votre travail très dur au sein du MAG. Timéa est un autre membre sortant du MAG. Bonjour, bonjour, merci pour m'avoir donné la parole. Je suis Johan Michels, je travaille dans Kaspersky, qui est une société de sécurité sur Internet, cybernétique. Donc, c'est donc là, on a été impliqué dans le travaux inter-séance et également dans le cadre de l'événement. Donc, c'était une excellente expérience pour nous. Tout d'abord, félicitations pour ce travail. Je suis basé en Allemagne. J'ai oublié de vous en informer. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une excellente représentation des personnes qui assistaient et également des intervenants. Donc, en ce qui concerne les régions, en ce qui concerne le genre et en ce qui concerne les intervenants. Donc, ça, c'était une très bonne chose. Cette année, l'IGF était bien particulier et de nombreuses personnes ont pu participer, même s'il y a eu quelques problèmes techniques. On a déjà envoyé un email au secrétariat de l'IGF avec quelques suggestions d'amélioration dans ce domaine. Mais nous pensons que les sujets soulevés étaient très bons. Il y avait une très bonne interconnexion entre les différents sujets. Sinon, ce qu'on pense, ce qui aurait été une bonne approche, Michael Erickson l'a mentionné, et Timéa aussi dans son intervention. Bref, nous pensons est important, l'IGF le fait, mais c'est de plus en plus important maintenant et c'est important à l'avenir lorsque l'événement sera hybride ou lorsqu'il y aura deux phases différentes d'un événement. Alors, il est très important que les gens soient bien au centre de l'IGF. Les gens s'intéressent à différentes choses. Ils travaillent sur divers sujets, donc certains s'intéressent peut-être plus à une participation en ligne, d'autres préfèrent être sur le site. Donc, c'est pour ça que Michael a suggéré donc un IGF en deux phases pour être la bonne approche pour pouvoir obtenir cela. Sinon, ma deuxième remarque, c'est que d'un autre point de vue, pour que ce soit aussi facile, pour qu'on puisse faire une évaluation des séances en ligne et hors ligne, par exemple, si on parle des séances en ligne, nous pensons qu'il est important de faire quelques perfectionnements en matière d'enregistrement. Et le site web devrait également le permettre. Il sera prêt au mois de janvier de l'année prochaine. Donc, je dois dire que le secrétariat et le MAG étaient vraiment très ouverts. Donc, la séance s'est vraiment très, très bien passée. La communication était excellente. Et cela montre que c'est une approche multi-acteur, vraiment, lors de ces séances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Laura O'Brien, je vous passe maintenant la parole parce que vous devez partir. Merci beaucoup, Henriette. Bonjour à tous. Je m'appelle Laura O'Brien. Je travaille chez Access et je vais donc m'exprimer au nom de Access, IPC, Internet Governance Caucus, également, je la représente. Donc, tout d'abord, je dois dire que le MAG a organisé un IGF virtuel excellent. Donc, c'est un moment crucial. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont là, mais en même temps, on a beaucoup de défis, la fragmentation. On peut atteindre plein de choses et on peut obtenir beaucoup grâce à ces formes numériques. IGF joue un rôle
clé pour cette discussion, pour la collaboration multi-acteurs. Donc, pour cette raison, comme nous l'avons déjà communiqué dans quelques résultats de ces séances, pendant ces réunions qui nous ont été très bénéfiques, on a vu de nombreuses ONG qui s'impliquaient dans la préparation de la feuille de route et le document de prise de position a également été validé par une centaine d'ONG. Avec des recommandations qui ont découlé. Et sinon, le caucus est une organisation qui, dans le sens dans cette approche, dans ce écosystème, on a pu définir des options, des solutions de réponse. Nous avons également participé à la réunion pour la collaboration avec la feuille de route. Et là, on s'est concentré sur ce que fait l'IGF. Malheureusement, là, nous n'avons pas pu le présenter pendant la séance de haut niveau, mais nous allons publier le résultat de notre travail. En même temps, nous voudrions souligner 5 questions rapidement. Donc, tout d'abord, il faudrait accélérer collectivement la collaboration et mettre en place une consultation plus solide au sein de l'IGF. Nous voudrions faire en sorte que toutes les structures basées sur les histoires à succès, sur le résultat obtenu au cours des différentes années, dans le cadre d'une approche de bas en haut, soient maintenues. Sinon, le secrétariat de l'IGF et le MAG devraient déployer leurs meilleurs efforts pour que les modalités à l'avenir ne soient pas superposées avec d'autres forums de l'ONU, multi-acteurs, comme par exemple le forum sur les droits de l'homme. Donc, il faudrait qu'on puisse s'impliquer et que cela soit étendu au sein des différents forums de l'ONU et sinon les différents acteurs qui travaillent ensemble pour améliorer la participation régionale, en particulier dans le sud global. Et à cet effet, nous faisons des évaluations sur la participation de la société civile avec des programmes de participation pour que les diverses modalités ne limitent pas la participation de la société civile dans les différents pays pour la liberté d'expression, d'association et de réunion. Donc, sinon, à la fin de l'IGF 2020, on encourage l'implication et les autres groupes d'acteurs pour utiliser les mêmes initiatives pour que la collaboration soit plus forte et finalement, nous recommandons qu'il y ait une communication avec des rôles clés pour également la collecte de fonds pour le développement de nos activités, pour publiciser davantage les histoires à succès de l'IGF et ses résultats. Et finalement, un dernier point, l'équilibre des sexes doit être également respecté pendant toutes les séances et ça doit être également pris en compte pour la planification de nos réunions. Il faut renforcer la présence des femmes et l'égalité des sexes donc, pour que cela se passe d'une manière beaucoup plus interséance. Merci beaucoup, c'était toute ma remarque. Thanks a lot, Laura. Merci, Laura. Donc, le MAG a déjà parlé de cette question liée au rapport. Et maintenant, je donne la parole à Jorge. Jorge? Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai été un peu surpris parce que j'ai vu que Bruna allait s'exprimer avant moi. Je vais essayer de parler de brièvement elle a levé la main. Vous ne pouvez pas nous faire confiance, comme vous voyez, en ce qui concerne l'ordre de l'apparition. Bon, Jorge Garcia, je travaille pour le gouvernement suisse depuis plusieurs années. Premièrement, je voudrais me joindre à toutes les félicitations au secrétariat de l'IGF et toute l'équipe du MAG. Henriette, qui a fait un grand effort et un bon travail. Nous savons ce que cela signifie parce que nous avons eu la chance d'être les hôtes de l'IGF il y a 3 ans. Maintenant, ça paraît être une éternité. Je me joins aussi à beaucoup de commentaires sur un degré insuffisant de l'interactivité du format du webinaire. Je pense que c'est une sorte de problème, surtout pour ce qui est des gens qui sont des nouveaux arrivés
qui ont du mal à s'exprimer, être visibles sous un tel format, mais je pense que l'on peut travailler là-dessus, se pencher sur cela au niveau politique. Avoir l'IGF dans un format virtuel avec le soutien du gouvernement polonais, d'après ce que j'ai vu, même si la réunion a été reportée en 2021, c'est un signe très important que l'IGF est capable et résistant, est capable de réagir dans des circonstances tellement difficiles. En organisant l'IGF, en le faisant, en ayant du succès en ce qui concerne la participation, c'est la bonne preuve de tout cela. Et on a fait aussi un bon choix de sujet. Nous, en tant que communauté de l'IGF, nous avons réussi à parler beaucoup du COVID-19, comme beaucoup l'ont déjà dit. Et on était vraiment très ravis d'avoir parmi les sujets l'environnement et toute cette intersection entre le monde numérique et l'environnement. Il me semble que l'une des innovations a été que l'on a bien géré ce processus qui s'est fait sur Internet. On a pu voir les opinions des centaines, des milliers de citoyens ordinaires du monde entier sur des questions clés liées à la gouvernance de l'Internet. Nous pouvons, je pense, l'institutionnaliser et connecter ce dialogue à la parole des citoyens. Il me semble qu'en ce qui concerne la visibilité du processus au-delà de l'IGF, eh bien, il y a toujours beaucoup à faire là-dessus. J'ai vu un article dans l'Économiste. L'IGF n'y a pas été mentionné suffisamment, donc il y a encore beaucoup à faire, beaucoup d'efforts à engager pour combler cette lacune liée à la présence dans les médias, combler les lacunes liées à l'organisation des sessions. Et enfin, je dirais que lorsqu'il s'agit de la superposition des sessions, il faut aussi continuer à travailler sur le problème d'organisation des ateliers de sessions qui seraient plus engageante, qui responsabiliserait plus nos participants. Une leçon que nous pouvons ici tirer, c'est lié aussi au monde de l'ICANN. Michael Audia l'a déjà mentionné d'ailleurs, c'est que trop de sessions, trop d'heures dans un environnement digital ou numérique, c'est trop fatigant. Donc, il faudrait que l'on mais cette conclusion que 4 heures par jour de réunions intenses, c'est beaucoup trop. Parfois, moins, c'est mieux. Donc, et ici, je reviens au début de ma présentation, c'est-à-dire que ça a été un signe très fort que l'IGF était résistant et capable de croître, d'évoluer dans cet environnement spécifique pour devenir un IGF plus fort. Et je suis persuadée qu'il nous sera possible tous ensemble d'impliquer cette feuille de route. Merci. Encore une fois, je voudrais vous remercier de votre engagement depuis plusieurs années, remercier le gouvernement suisse de leur implication dans les activités de l'IGF. On a travaillé ensemble effectivement beaucoup et de façon très efficace pour organiser la réunion à Genève en 2017. Roberto, notre intervenant suivant. Merci, Agnetta. Merci tout le monde. Je m'appelle Roberto Zambrana. Je représente l'IGF bolivien. C'est ma première année de participation. Je voudrais me joindre aux remerciements au secrétariat d'avoir organisé cette réunion avec succès. Je voudrais leur féliciter de leurs efforts.
lors de l'organisation de l'IGF. Je voudrais aussi remercier, ne pas dire au revoir, mais peut-être nous allons nous voir à d'autres étapes de notre activité. Je voudrais dire au revoir à nos collègues qui vont quitter le MAG. Nous allons profiter beaucoup de leurs expériences. J'en suis vraiment reconnaissant. Maintenant, pour ce qui est de mes commentaires, eh bien, je soutiens la plupart des idées qui ont été exprimées par mes collègues, mais je voudrais ici partager deux réflexions personnelles. Premièrement, l'IGF nous a vraiment surpris parce qu'il y a eu beaucoup de participation active, une présence active, par exemple, à travers le chat, mais aussi de beaucoup de personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de s'impliquer de façon active par leur micro. Mais sur le chat, ça a été un débat parallèle et la participation sur le chat, effectivement, a été même plus active que la participation lors de la session questions-réponses. Donc, deuxièmement, en se basant sur cela, eh bien, il faut dire que la grande différence entre cette réunion-là et la réunion en personne, c'est que lorsqu'on participe en personne, l'on partage nos opinions seulement avec un groupe limité de personnes, avec ceux qui sont assis près de nous. Et personne, à vrai dire, ne partage ses opinions ou ses commentaires avec les panélistes. Lors de la séance virtuelle, ça a pu se faire. Donc, c'est justement quelque chose qui a été très positif et je pense que cette sorte de participation active doit être maintenue dans l'avenir. Mais il faut aussi y penser si ça ne pouvait pas poser de problème lors des séances en personne. Peut-être il faut aussi réfléchir sur les formats de session pour ce qu'il y ait des formats plus participatifs, plus créatifs. Ça, ce serait justement ma suggestion principale. Je soutiens aussi l'idée d'avoir cette manière double de se réunir virtuelle et en personne. C'est parce que nous avons besoin de plus d'échanges, plus de dialogue et avoir un choix d'approche à adopter. Merci. Merci, Roberto. Merci de tes commentaires. Merci. En ce qui concerne les membres du MAG qui nous quittent, j'espère qu'ils vont me comprendre. Ils ne quittent pas l'IGF et l'on espère qu'ils vont toujours rester actifs dans ce processus, comme Michael Nelson. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc peut-être je vais voir maintenant s'il y avait encore quelqu'un qui voudrait reprendre la parole. Judith. Oui. Judith, on n'entend pas ton micro. Merci encore une fois pour ces commentaires magnifiques. Je voudrais me référer à ce qui a été dit par Sylvia et les autres sur plus de captions, plus d'organisation efficace de nos événements. Il y a eu beaucoup de sessions qui ont apporté beaucoup de confusion. Sur la durée des sessions, il faut que les sessions soient clairement délimitées. Et il faut qu'il y ait plus de sources. Je pense qu'il y a eu de la confusion en ce qui concerne les sources de nos vidéos. Je pense que, d'après ce que je sais, comme ont dit les personnes que je connais, qu'il faudrait qu'il y ait un choix entre une réunion en personne et un webinaire. Lors d'un webinaire, presque tout le monde peut devenir un panéliste. C'est ça qui est peut-être plus facile. Donc, on peut peut-être
mettre de l'ordre, et peut-être il faut le faire maintenant plus en avance pour que les gens sachent s'ils vont participer ou non en tant qu'intervenants. Il faut aussi voir comment assurer un meilleur networking. Je pense que les coûts qui sont liés peuvent poser des problèmes et l'utilisation d'autres plateformes peut aussi impliquer des frais. Donc, il faut voir cela. Comment organiser des réunions virtuelles ? J'ai vu des commentaires sur sur YouTube, c'est que pour ce qui est de YouTube, il faut qu'on ait aussi de l'interprétation qui sera disponible sur ce canal. Et le langage des signes qui soit disponible. Voilà mon image. Il faut que les visages soient visibles sur l'écran pour que les gens qui traduisent, qui font de l'interprétation, puissent voir ce qui est dit. Lorsqu'on parle de ce langage de signes, parce qu'il n'y avait pas d'image, on ne pouvait pas faire de traduction vers le langage des signes. Il y avait aussi un commentaire que la raison de cet agenda, c'était pour que tout soit assuré et marche bien sur Zoom. Mais ça ne doit pas se passer sur YouTube. YouTube offre beaucoup plus de possibilités et beaucoup de choses sont visibles, plus visibles sur YouTube, que les gens s'inscrivent, par exemple, qui se joint à la réunion, etc. Les gens de YouTube, ce sont les gens qui ne sont pas enregistrés, tandis qu'ils pourraient s'enregistrer. L'on pourrait, par exemple, aussi parler de ce qui se fait sur le chat sur YouTube, mais on était seulement sur Zoom. Quelqu'un a dit que bon, le chat était limité à un certain nombre de personnes, que peut-être bon, la question qui se pose, où nous allons investir l'argent que nous avons? Est-ce qu'on va l'investir dans plus de captions ou plus de systèmes de réseautage pour les améliorer? Il y a toujours ces limites qui s'imposent à nos priorités, c'est-à-dire où investir de l'argent. Lorsqu'on a, par exemple, le langage des signes, cette intervention, on utilise les signes internationaux. Ça coûte deux fois plus que le langage régulier. Donc, ça augmente vraiment les coûts. Il y a ici, donc, toutes ces choses-là à prendre en compte. Merci beaucoup. Ce serait tout de ma part. Merci. Judith, je pense que vous avez ici fait un résumé de tout ce qui constitue nos limites. Nous avons un budget limité, etc., c'est-à-dire où nous devons investir l'argent, pourquoi payer pour avoir le plus d'effet. C'est quelque chose qui se fait au jour le jour, mais bon, nous considérons les besoins des gens handicapés de façon très sérieuse. Nous avons une coopération excellente avec DICAD et nous allons continuer à le faire. Nous allons essayer de gérer ça. Le problème du langage des signes, peut-être pour ce qui est des réunions à venir, nous allons y penser, que ce soit une réunion en personne, hybride ou autre. On va voir comment assurer ce service.
nous sommes, comme nous avons déjà dit, une organisation qui est en train d'apprendre de nouvelles choses. Maintenant, ce qui concerne la journée zéro, le commencement, oui, des sessions, eh bien, ça s'est fait parce que lorsque nous sommes rendus à l'endroit où devait se dérouler la réunion, il a été toujours dit que le lieu de réunion devait être préparé 3 jours avant le commencement des réunions. Donc, tout était déjà prêt. Ce qui s'est fait, c'est ensuite les tests des écrans, des connexions. Ensuite, on a décidé que au lieu de perdre toute cette infrastructure, nous allons permettre aux gens qui représentent nos communautés d'utiliser cette infrastructure. C'est pour cela que nous avons eu ces événements qui ont eu lieu justement dans ces endroits-là, au sein du réseau académique et d'autres sessions qui peut-être ne répondaient pas à 100% aux spécifications de l'IGF. Mais bon, elles ont dû être en quelque sorte liées à l'IGF. C'était des événements préliminaires. Vous avez déjà vu que les exigences sur les réunions préliminaires n'étaient pas les mêmes et tellement strictes que pour ce qui est des autres sessions. Donc, nous avons dit que nous n'allons garantir rien. Nous n'allons garantir ni le streaming, ni le réseau, ni la transcription. Mais pour ce qui est des autres réunions de l'IGF, bon, l'équipe de transcription est arrivée 3 jours après et on en a profité. Bien sûr, si ça se fait en ligne, la situation est un peu différente parce que il n'y a pas d'espace ou de temps perdu. Il faut donc décider si on veut payer plus d'argent pour ce qui est de la transcription parce que ça requiert plus d'argent ou bien non. Donc, oui, nous devons nous pencher sur la journée zéro, la journée du départ, encore une fois. Ce sont des faits historiques à prendre en compte pour ce qui est de la journée zéro, oui. Marco a voulu s'exprimer, oui. Merci. Bonjour. J'ai beaucoup de commentaires sur le débat qui vient de dérouler. Il faut lutter avec des contraintes de nature technique, surtout pour ce qui est des réunions virtuelles. Pour ce qui est de l'utilisation des salles qui sont disponibles pour des grandes réunions, les salles de conférence, il faut savoir que pas tout le monde a à sa disposition des outils tellement développés. Mais maintenant, une chose que j'ai voulu souligner, c'est que j'ai apprécié vraiment le format des sessions et le format des webinaires au sein de groupes plus petits. Pour ce qui est, par exemple, des coalitions dynamiques, ça a permis à plusieurs personnes de s'exprimer, de se voir les uns les autres lors de grandes sessions. Souvent, on n'a pas vraiment l'idée qui se trouve dans une salle. J'espère que, bien sûr, pas toutes les sessions seront virtuelles dans l'avenir. J'espère que nous nous réunirons en personne. Il y a donc maintenant cette opportunité, ça nous permet de nous voir les uns les autres, donc je pense que c'est une grande chose. Thank you. Merci beaucoup, Marco. Merci, Marco, pour votre apport. Désolé de ne pas dire tout ça dans l'ordre, mais la personne suivante sur ma liste, c'est Abidel Jadalov, et ensuite, nous avons Mauricia et Véronica. Ok. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Donc, avant tout, je remercie les secrétariats et les MAC
pour la réussite de cet événement. C'est un premier événement qu'on organise en ligne, donc c'est un succès total. Et aussi, je remercie aussi l'idée d'accompagner les NRIs des pays en voie de développement pour aux jeunes de la Réunion, les appuyer. Là aussi, ça c'est à saluer. Et aussi, les time zones. Je pense que les time zones de l'Europe, ça nous arrange vraiment et je pense qu'on a profité le maximum possible. Et aussi, le souci, c'est au niveau de l'agenda. La navigation au niveau du site web est beaucoup plus au niveau de l'agenda. C'est là où j'ai reçu beaucoup de feedback de la communauté et surtout pour s'inscrire et pour s'inscrire à des sessions parce qu'il y a double check, donc il faut s'inscrire doublement avant de recevoir les liens. C'est vrai, ça nous permettra d'éviter les zoom bombings, etc. Mais c'était vraiment difficile pour certaines personnes de se naviguer, mettre sur l'agenda personnel, allez-y d'abord, puis appuyer. Donc, c'était vraiment difficile pour certaines personnes. Je pense là aussi, il faut qu'on revoie cette stratégie. Et aussi, l'effort d'interprétation. Je pense que nous, ici au Tchad, IGF Tchad, nous parlons en français et je pense que nous avons vraiment aimé que beaucoup de sessions ont été, surtout les main sessions et les high level, étaient vraiment en français. Il y a l'interprétation en anglais, plutôt en espagnol et en français. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Et il faut continuer cet effort pour que d'autres sessions aussi, nous aurons des interprétations pour que la communauté comprenne avant de s'impliquer. Et je pense que je vais m'arrêter là une fois pour toutes. Et je pense que le format était vraiment simple et compréhensible pour plusieurs sessions, que ce soit pour les NRI et d'autres sessions aussi. Et une fois pour toutes, merci au secrétariat de IGF et merci au MAC aussi. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Après Olivia, je ferme la liste. C'est la dernière personne qui pourra s'exprimer, je pense. Maintenant, Mauricia. J'espère que je le dis correctement. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, bon après-midi, bonjour. Donc, voilà, je démarre ma vidéo. Donc, je vais parler de l'inclusion des jeunes au panel que j'ai déjà cité dans le chat. Je voudrais le souligner. Pour ce qui est de l'objectif de l'inclusion et de la diversité sur le panel, et pour que l'IGF puisse progresser, il est important d'ajouter plus au niveau des panels de la séance principale. De nombreuses personnes n'ont pas complété leur profil. Et les personnes ressources, si cela manque, j'ai une solution à cela. Nous avons des groupes tels que le YSIC, donc le groupe de la coalition, et nous avons le Digital Grassroots aussi, et des personnes qui participent à l'IGF chaque année. Nous sommes des groupes actifs. Donc nous sommes très heureux de pouvoir participer à la séance principale. Nous avons une grande contribution à faire ici, donc permettez-nous de participer en tant que jeunes pour qu'on puisse améliorer la diversité au sein de l'IGF. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est un point qui figure très haut dans notre agenda. Cette année, on n'a pas réussi à inclure un représentant de jeunes dans la séance d'ouverture et dans la séance de clôture, mais on l'a fait dans les autres séances. Donc, les personnes qui constituent de la source, oui, tout à fait, c'est une excellente idée. Véronica, est-ce que vous pourriez vous exprimer de manière brève et succincte? Oui, merci. Je voudrais réagir à ce que Mauricia vient de dire. En ce qui concerne la participation de jeunes à l'IGF, en particulier parce que, en tant que jeune, nous nous sommes également préparés des mois durant à cet IGF. J'ai été un peu déçu que dans de nombreux panels dédiés aux jeunes, en fait, la participation de jeunes était très en silo. Donc, je suis d'accord avec Maurice que
avec Mauricia que ce serait bien qu'on soit inclus dans le principal panel parce que certains d'entre nous sont également de jeunes experts dans des domaines précis. Et de nombreuses parties prenantes nous connaissent et nous connaissent notre travail. Merci. Olivia, vous avez la dernière parole. Merci beaucoup. Olivier Crépin-Leblanc, je vais juste parler sur cette approche multi-acteur, Shangitai. Je voudrais vous remercier pour avoir fait votre possible pour que cet orchestre puisse jouer en ligne. Malheureusement, la technologie fait qu'il est impossible de coordonner un nombre si important de membres de l'orchestre provenant de différentes parties du monde. Donc, j'espère qu'au cours de 12 mois à venir, la technologie va progresser pour qu'on puisse travailler encore mieux. Ou alors, j'espère qu'on pourra jouer en personne l'année prochaine. Une fois de plus, je vous remercie. Ça récapitule un peu ce qui a été dit de manière plus formelle il y a quelques instants. Voilà, merci. Merci beaucoup, Olivier. L'année prochaine. L'année prochaine. Et cela nous ramène à la fin de la séance du micro ouvert. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté. On a bien noté. On a tout enregistré. Nous avons la transcription. Donc, on va revenir là-dessus. Sinon, on va récupérer l'ensemble des apports, en particulier les gouvernements préfèrent avoir des résultats pas écrits. Ce sera publié sur le site web et ça vous donnera du temps pour nous envoyer ces apports écrits. En regardant maintenant l'avenir, l'année prochaine, on va également, mis à part de ces résultats publiés, nous allons également regarder les sujets à traiter au cours du cycle 2021. C'est prévu que l'on l'organise en Pologne, comme vous le savez, du 6 au 10 décembre 2021. Donc, nous avons toute une année pour le planifier vraiment. Donc, le nouveau MAG a été annoncé et Henriette continuera à être la présidente très efficace qu'elle a été en 2020. Nous avons également prévu d'avoir la première consultation ouverte et la réunion du MAG à la fin du mois de février, puisque nous voudrions que ces apports puissent arriver d'abord, ce que je viens de dire. Que le sujet puisse être également réuni et comme ça le secrétariat va nous le renvoyer après. Et lorsqu'on aura les consultations ouvertes, la réunion du MAG, on pourra être bien préparé pour que cette réunion soit vraiment très utile. Vu le contexte actuel, je ne pense pas qu'il y ait des chances que cela se passe en face à face. Il faudra voir comment faire. Bon, là, je parle de ma détermination aujourd'hui. On va voir s'il sera possible ou pas de faire des réunions face à face, physique, à partir du mois de juin. On verra bien, mais en tout cas, la première réunion sera une réunion virtuelle également. Je passe juste la parole à Henriette pour quelques derniers mots. Henriette. Pourquoi est-ce que ce bouton mute ne marche pas? Il est peut-être fatigué. Donc, on confirme. Donc, effectivement, on va faire des réunions face à face au cours de l'année, comme vous le demandez sur le chat. Je voudrais encore une fois remercier tout le monde. Le secrétariat, on l'a déjà remercié avant, mais je dois dire que
le secrétariat a vraiment fait le gros du travail pour organiser les réunions, les séances. Donc, ils ont eu un double rôle pour apporter leur soutien. Et c'est eux qui ont été, en fait, les principaux organisateurs de l'IGF. Je voudrais également remercier l'équipe de New York, Indessa, donc pour tout le soutien apporté à l'IGF. Et merci beaucoup aux membres sortants de MAG. Nombreux membres du MAG viennent de terminer leur mandat et je voudrais leur remercier pour leur contribution, mais également pour l'héritage qu'ils nous laissent des systèmes, des procédures, de la documentation. Combattis, les nouveaux membres du MAG sont les bienvenus. Et comme vous avez pu le voir pendant cette séance, donc, on a des comptes à rendre à la communauté de l'IGF. Donc, ils nous demandent qu'on leur explique ce qu'on a fait, mais en même temps, ils nous apportent un très grand soutien. Donc, travaillons tous ensemble avec notre pays hôte, la Pologne, dans le cadre de l'IGF. Donc, merci beaucoup à eux tous pour nous avoir aidés toute cette année et pour tout ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour ce qui me concerne, Changetai. Merci beaucoup. Merci à tous, en particulier à tous les participants. C'est ce qui fait, justement, c'est ce qui bâtit l'IGF. Merci.